Bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Voyageurs autour du monde des blogs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait 6 ans que j'ai mon blog. Voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est l'Océanie pour les zéros. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience. Je suis au Sri Lanka et je vais vous parler un petit peu d'entrepreneuriat et de blogging. Alors, si vous êtes salarié tout simplement et que vous travaillez pour un patron, vous allez devoir travailler pendant 42 ans. Vous sacrifiez pour souvent un boulot qui n'est pas forcément le plus intéressant en soi, car vous allez devoir subir un patron, faire un truc qui n'est pas forcément le plus extraordinaire du monde, car indirectement, tu vas subir un système. Moi, je te propose de réfléchir différemment. Si tu as une idée de monter, par exemple, un business en ligne ou tout simplement un blog, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de blogueurs qui sont maintenant à temps plein, vous les connaissez pour la plupart. Je vous propose plutôt sacrifier 5 ans de votre vie à travailler dur pour un projet. Donc moi, j'ai mis il y a quasiment 5 ans avant de vivre de mon blog. Et tout simplement, donc c'est 5 ans de bagne au lieu de 40 ans de prison, tout simplement. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive totalement à vivre de cette passion. Alors, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'emails, c'est beaucoup de montage vidéo, c'est beaucoup de messages, tout ça. Mais derrière, au moins, je fais chaque matin un truc qui me passionne, un truc que j'adore en fait, toi, de partager mes conseils, de rencontrer des backpackers, de pouvoir aider les gens qui partent essentiellement. Alors sur la partie Australie, moi je suis spécialisé sur l'Australie, sur la partie Océanie, bien sûr, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc vous faites un truc qui vous passionne et ça c'est 10 fois plus enrichissant ou 100 fois plus enrichissant que se réveiller chaque matin et d'avoir un patron et de travailler 9h à 18h dans un bureau ou tout simplement pour un patron qui n'est pas très intéressant. Alors, j'ai pas encore de formation pour vous aider pour comment créer un blog de A à Z. Alors, il en existe. Moi, j'ai investi quasiment que du temps, en fait, toi. J'ai quasiment qu'investi que du temps. J'ai créé mon site WordPress. J'ai monté une communauté. Donc, ça met du temps, toi, de créer une communauté. Mais une fois que tu as bâti ta communauté, tu as bâti ta forteresse. Et c'est ça le plus important. Ce sera ta plus grande richesse en termes de sur ton blog. Si tu veux bâtir une communauté, ça demande du temps. Voilà. Donc, je te propose de penser différemment. Si vous êtes aujourd'hui voyageur, entrepreneur, vous pouvez aussi penser à ce système-là. Hein. C'est un système qui est totalement la réalité. Maintenant, moi, ça fait quasiment 8 mois que j'arrive à vivre totalement de mon blog. Hein. Ça a mis quasiment 5 ans. Quand je dis vivre avec son blog, c'est pas gagner 500 euros par mois, vous l'avez compris. C'est d'avoir un vrai salaire qui vous permet de payer des factures, payer des loyers, payer un voyage comme je peux faire aujourd'hui, comme je vais faire très bientôt. Ça va être les Bahamas, ça va être les Philippines, ça va être l'Indonésie, ça va être l'Australie cette année, donc ça va être beaucoup de voyages. Et c'est pas avec 1000 euros par mois que tu peux vivre. Enfin, tu vois, ceux qui gagnent le SMIC, malheureusement, tu peux à peine payer tes factures. Donc voilà, je vous propose vraiment de penser différemment. Et surtout, si vous êtes blogueur et que vous voulez lancer un blog, soyez spécialisé sur une destination. Ne voulez pas, si vous essayez de toucher à tout avec votre blog, vous allez quand même plus galérer. Alors, vous pouvez parler de plusieurs destinations, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, spécialisez-vous dans une destination précise. Donc, par exemple, moi, je suis spécialisé sur l'Australie. Voilà, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Alors, je parle aussi de la Nouvelle-Zélande, je parle de la Nouvelle-Calédonie. J'ai une partie bonus Asie, mais je suis spécialisé avant tout sur l'Australie. C'est comme ça que j'arrive à générer de l'argent grâce à mes sponsors. Et surtout, bien sûr, l'affiliation, j'en ai déjà parlé plusieurs reprises. L'affiliation, c'est le fait que les gens cliquent sur des publicités sponsorisées et qu'ils achètent le produit derrière. Voilà. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez à liker la vidéo si ça vous a aidé. Et à très bientôt et surtout, ne lâchez rien les amis.